Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de peinture fluide. Donc pour le matériel, je vais utiliser le médium de lissage de chez Action. Vraiment, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et il est vraiment très très bien rapport qualité-prix. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'utilise toujours ma petite huile de silicone de chez Cléopâtre. Comme il faut peu de gouttes, elle dure vraiment super longtemps. Pour les couleurs, je suis partie sur du blanc, du doré et couleur argent. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Je mets ma peinture dans mes gobelets et pour la quantité du médium de lissage, je vais en mettre un petit peu moins que ma quantité de peinture. Ensuite, on mélange tout bien. Donc vous allez voir, suivant vos peintures, il va falloir que vous rajoutiez de l'eau, plus ou moins. Il faudra vraiment y aller petit par petit. Vous allez voir ça avec la couleur argent. Pour le blanc, il est déjà assez... Pour le doré, il est déjà assez liquide. Donc j'ai juste à rajouter l'huile de silicone, je vais en mettre 3 gouttes. Le blanc par contre, j'en ai pas mis assez, je pense, pour mon tableau. Donc je rajoute un peu de médium de lissage et un petit peu plus de peinture. Et on mélange les deux. Pour le blanc, je ne vais pas mettre d'huile de silicone, comme il va me servir de base, ça sert à rien. Donc je le laisse comme ça. Pour ma couleur argent, donc là j'ai vraiment rajouté de l'eau petit par petit parce qu'elle était vraiment très pâteuse. Donc il faut vraiment y aller tout doucement jusqu'à ce que vous ayez un rendu liquide, voilà, qui file tout seul. Et je rajoute pareil, 3 petites gouttes, 3 ou 4 gouttes, je crois que j'en ai mis 4 d'ailleurs. 3 petites 4 gouttes d'huile de silicone. Ensuite... pour le tableau, donc ça c'est un tableau que j'ai réutilisé, qui ne me plaisait plus. J'ai juste mis une petite couche de gesso par-dessus. Et je viens étaler mon blanc, donc avec le dos d'une petite cuillère, pour en mettre sur toute la surface du tableau. Avec le restant de ma peinture, je vais faire des ronds. Et ensuite, eh bien, je vais positionner mes autres couleurs par-dessus. Et là, c'est le moment que j'adore, quand on étale la peinture tout doucement. Je trouve ça trop, trop relaxant. Ensuite, je passe un coup de chalumeau, ça permet d'activer toutes les petites cellules, de faire remonter l'huile, d'avoir ces jolies cellules. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.